Et bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une recette rapide. Ça va être, je vais l'appeler One Pot riz poulet tomate. Donc, c'est une recette pour 4 personnes. Ici, j'ai 300 g de riz. Là, j'ai 600 g d'escalope de poulet que j'ai coupé en morceaux. Là, j'ai une petite boîte de tomates pelées. Il me faudra du sel et du poivre. Là, j'ai 100 ml de vin blanc avec un cube de volaille émietté. Et puis là, on va partir sur une base de 400 ml d'eau. Eh bien, c'est parti pour notre recette. Eh bien, le one pot, le principe, c'est de tout mettre sans utiliser la fonction dorée. Donc, je vais commencer par mettre le riz. Et puis, je vais recouvrir tout de suite avec mes 400 ml d'eau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter mon poulet. Je vais ajouter, eh bien, ma petite boîte de tomates pelées. Je vais mélanger. Ensuite, je vais mettre mes 100 ml de vin blanc. Je vais mettre un peu de poivre. Pour le sel, je rectifierai au moment de déguster. Et puis là, maintenant, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais programmer ma cuisson. Et bien pour la cuisson, c'est très simple. Je vais en mode manuel, en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Et là, et bien, je regarde le temps indiqué sur le paquet de riz et je divise par deux. Moi, c'était du riz 17 minutes. Ben, je vais mettre allez, la moitié. Je vais mettre 8 minutes. Ce n'est pas tout à fait 8 minutes. Ça fait 1 minute 30. Mais je vais mettre 8 minutes. Ça va suffire largement. Je fais OK avec un départ immédiat. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la recette. Allez, la cuisson est terminée. On va ouvrir notre Cookeo. Allez, on va mélanger tout ça. Eh bien, il ne me reste plus qu'à servir cela chaud. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.